Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. La saison a débuté tambour battant pour le MMA français. Pour parler de cette riche actualité, je serai accompagné de deux experts en la matière. D'un côté, Alioune Naï, le top featherweight en France. Bonsoir Alioune. Et d'un autre, eh bien, notre chroniqueur MMA, Sébastien Love, toujours avec le sourire. Ça va Sébastien? Ça va, bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors, tout au long de l'émission, on va parler forcément de l'actualité du MMA français, en passant par ton combat, Alioune, qui a suscité énormément d'émotions. Un combat épique, hein, littéralement. Et puis, bien sûr, on parlera du tsunami UFC qui a tout simplement déferlé sur la France. Ouais. Et pour commencer, honneur aux dames. Nous vous avions parlé la semaine dernière de Samantha Jean-François qui avait été contactée au pied levé pour disputer une ceinture du Hexagone MMA. Et c'est avec un certain talent et avec la manière qu'elle s'est imposée face à Mona Ftoui. Nous avons récupéré les images. Replay. Fighting out of France, Samantha Jean-François. Mona Ftoui in the red corner and Samantha Jean-François in the blue corner. Fights, losses is a different story. From Mona Ftoui, she lost only 2 times, while Samantha has lost 6 times. And oh my God, the ladies are going straight into battle. Mona Ftoui is gonna pass out. Yes. No, I think she's about to give up because it's deep under the chin. No, Samantha is fighting the hand, so yeah. But yeah, that's what I told you, it's done. It's done with less than a minute, actually, of the fight. Unfortunately, Mona Ftoui fights. Samantha grabbing the belt. What a performance. Was able to win under, I believe it was under 1 minute. It was very fast. Got the submission. Expéditive, Samantha Jean-François, d'où la longueur du highlight. Alors, une défense de titre est d'ores et déjà prévue pour la fin de l'année, voire peut-être début 2023. Qui pour rencontrer Samantha Jean-François, Seb? Qui aimeriez-vous voir? J'aimerais voir enfin quelqu'un affronter Eva Dourt. Ah, c'est vrai. Eva Dourt, elle a eu des annulations de combats en pagaille. Elle a 10 combats, elle a 5 victoires, 5 défaites. Samantha Jean-François, elle a 12 combats, 6 victoires, 6 défaites. Et Eva Dourt, c'est, je pense, une cliente. C'est quelqu'un de très crédible. Et franchement, j'ai vraiment envie de la voir. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vue combattre. On en entend beaucoup parler, mais on ne la voit pas. Et moi, j'aimerais qu'elle rencontre Samantha Jean-François pour deux jeunes filles de calibre international. D'autres options éventuellement, sinon? Ouais, il y a Diane Voituret. Que j'ai expliqué à plusieurs reprises, qui est une très très bonne combattante. Elle a 4 combats, 3 victoires. Elle est plutôt... c'est une puriste, une styliste dans la cage. Et puis, il faut avouer que humainement, c'est une personne que j'aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas lui donner une chance. Et pourquoi pas également Annabelle Merlier-Lemoine, qui devait affronter Eva Dourt à l'European Beatdown 7. Ça ne s'est pas fait. Donc je me dis que si Annabelle est capable d'affronter Eva Dourt, bah, Samantha Jean-François, pourquoi pas également une ceinture. Eh bien, peut-être qu'Hexagone MMA va entendre vos suggestions. En tout cas, Hexagone MMA, ils font la part belle aux femmes. Parce que maintenant, on va avoir Laetitia Blo. Ce sera le 15 octobre qui va disputer la ceinture du Hexagone MMA en flyweight. Donc, la polonaise, ce sera Adriana Kreft, c'est son adversaire. Un avis peut-être sur ce matchmaking? Alors, j'ai vu son dernier combat qu'elle a fait en juin. C'est une strikeuse. Elle avance. Hein. En Muay Thai, on l'appellerait, on dirait que c'est une Muay Book. Adriana Kreft, on parle d'Adriana Kreft. Oui, Adriana Kreft, ouais. Elle prend énormément de coups et honnêtement, elle n'a pas la puissance de Laetitia. En tout cas, elle ne dégage pas cette puissance. Et contre Laetitia Blo, à mon avis, elle risque de passer de combattante à crêpe. Très rapidement. Alioune, tu connais bien Laetitia, je crois que tu as tourné avec elle un petit peu. Très bien, oui, c'est une amie à moi et on s'est entraîné ensemble au B-Fight. D'accord. Pendant un an à peu près. Et ouais, la puissance, c'est la puissance. Mais y a-t-il une femme, même en Europe, qui pourrait battre Laetitia Blo? Tu as tourné avec, j'imagine que tu peux nous en parler. Moi, je tournais avec, je restais loin. Je restais loin parce que je ne voulais pas qu'elle me fasse tomber comme certains.
Je ne citerai pas les noms, mais il y a des mecs qui ont volé. Donc, ah oui, c'est vrai. Moi, je restais loin. On a Laetitia Blo qu'on recevra probablement sur ce plateau. Hexagone qui a également changé de direction. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent prendre une dimension plus internationale, donc par le biais des alliances. Donc là, il y a une alliance avec GMC. Donc par exemple, le 15 octobre, la première partie, ce sera dédiée à Hexagone MMA. La deuxième, ce sera dédiée à GMC. Et donc cette alliance, elle est amenée à durer dans le temps. Donc vraiment dans le but de prendre cette dimension internationale. Il y a une autre collaboration qui a vu le jour, c'est celle entre Jérôme Pourru, donc Hexagone MMA, et FFA Challenge, donc Mathieu Nicourt. Mathieu Nicourt qui est désormais le matchmaker de l'organisation et qui a pour mission de développer le vivier de combattants pour l'international. Donc ils vont développer au niveau local et au niveau international. Donc là, voilà, on est sur un double circuit qui est développé par cette organisation. Et ça, c'est intéressant, ça va dynamiser un petit peu le MMA. C'est une très belle alliance. Je bosse également avec Mathieu Nicourt et c'est vraiment quelqu'un qui est là depuis longtemps. Tout le monde le connaît. Ça a été un des précurseurs du Free Fight MMA Pancras. Bref, et c'est une très bonne alliance, je pense, entre l'Hexagone MMA et le FFA Challenge. Alors, de l'autre côté, il y a aussi Ares qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une très belle organisation et d'ailleurs, un combat a retenu toute notre attention lors du dernier Ares. C'était à la veille de l'UFC. C'est le tien, Alioune. Tu es notre invité Spotlight. Il était une fois Alioune Nae. Raconte-nous tout, Alioune. Tu as commencé comment, le MMA? Comment c'est arrivé? Comment on atterrit dans une cage? Ah, c'est allé très vite. En fait, j'ai commencé assez tard quand même. J'ai commencé à 20 ans. 19-20 ans, j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien et le sol à Neuilly-sur-Marne. Et au bout d'un an, bah, je faisais déjà, même pas un an, au bout de 6 mois, je faisais déjà mon premier combat. Alors, tu as commencé à 20 ans, c'était en quelle année? Ou alors là, tu as quel âge, qu'on se situe un petit peu? Là, j'avais mon premier combat, je le fais à 20 ans. En fait, je le fais en amateur, ouais. Où je fais une année où je fais énormément de combats en amateur. D'accord. Une année, deux années, je fais vraiment beaucoup de combats en amateur jusqu'à mes 21 ans. Après, je fais mon premier combat dans une cage en Allemagne, non, en Belgique. Et sinon, c'était beaucoup d'amateurs. J'ai combattu aussi, comment ça s'appelle, sur des galas où il n'y avait pas de frappe au sol. En Pancrace. En Pancrace. Ouais. Donc, j'ai mixé un peu les deux en amateur. Mais au bout de un an, deux ans, j'avais pris beaucoup en expérience. Et en 2013, en fait, je me lance dans les contenders et... Et voilà quoi. Et l'histoire, elle démarre comme ça. Exactement. Tu n'as toujours pas dit ton âge. Oui, c'est vrai. 31 ans. 31 ans. Donc, oui, ça fait 11 ans que tu combats quand même. Tu as quand même de l'expérience. Ça fait 11 ans. Et t'es un électron libre. Un électron libre parce que. Moi, je t'ai déjà expliqué, mais c'est quoi ton club? Parce que du coup, il y a tellement de clubs en France, mais à chaque fois, je vois Alioune Nae. C'est quoi ton club? C'est la Team Jaguar. J'ai monté mon club à moi, en fait. J'ai monté mon petit truc. Ça veut dire que j'ai fait un écosystème autour de moi avec certains coachs qui m'aident. Mmh. J'ai des partenaires qui m'aident. Je vais m'entraîner parfois dans d'autres clubs, tels avec Daniel Voirin, des fois avec Hatch. J'ai beaucoup de combattants aussi professionnels de certains clubs qui viennent m'aider. Et voilà. Mais tu t'entoures de coachs, tu as un coach spécial en fait, pied-point, mon équipe, elle est composée, j'ai un coach en anglaise avec qui j'ai commencé, ouais. J'ai un coach en pied-point, j'ai un coach avec qui je fais tout ce qui est prépa physique, tout ça. En fait, pour la prépa physique, j'en ai un avec qui je fais de l'haltéro, un avec qui je fais du spécifique et un pour la piste athlétisme. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai monté tout ça avec... L'électron libre du MMA. Ouais. Mais entrepreneur. J'ai pris de l'expérience parce que j'ai combattu aussi en boxe thaï, j'ai combattu aussi en boxe française, j'ai fait... Ouais, t'as varié les plaisirs. Le grappling, ça veut dire que ça m'a aidé à avoir pas mal d'expérience quand même. Alors, on va revenir sur ton actualité un petit peu chaude. Tu as eu une saison autant couleur, on peut le dire, nous, on t'avait quitté sur un 100% fight et une désillusion après ce revers face aux Brésiliens. Donc, un étranglement arrière en 15 secondes, toi qui es un expert du JJB, comment tu as fait pour te relever de ça? Et surtout, quelles leçons tu retiens? Comment tu l'analyses en fait aujourd'hui, tout simplement? C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans le sens où on apprend, moi j'apprends dans la défaite en tout cas, pour mon cas. Donc, j'étais arrivé à un point où... J'étais sur du vert, comme on dit, je gagnais mes combats, c'était fluide. Mais voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses autour de ce combat-là, en fait. Ça veut dire que j'ai des problèmes personnels. D'accord. C'était même pas dû à l'actualité, parce qu'en fait, je devais combattre sur Ares déjà, et ça ne s'est pas fait. Mais en parallèle, moi, j'ai eu des problèmes personnels, donc c'est pas une excuse. Mais c'était compliqué, en fait. Et j'ai accepté quand même par principe parce que je pensais que j'étais prêt.
J'étais aussi sur un point où j'avais, comment dire, il y a eu 3-4 annulations de combats dans une année. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de préparations qui n'ont pas abouti. Parce que tu devais combattre à Cannes. Je devais combattre à Cannes. Ben, le combat a été annulé. Ben, clairement, ça, à 24 heures du combat, ouais. J'apprends que mon adversaire a eu un accident ou qu'il ne peut pas faire le combat. Ça veut dire que, et ça, je l'ai eu plusieurs fois. Donc, voilà. Alors, tu es considéré comme l'un des top featherweight en France, mais il y a quand même cette rivalité avec William Gomis. On aimerait comprendre un peu d'où ça vient, parce que nous, on ne comprend pas très bien d'où ça vient. D'ailleurs, tu ne l'aimes pas, William Gomis? Non, mais en fait, cette rivalité, moi, j'ai... Comment dire? C'est lui qui m'a envoyé un message sur les réseaux, en fait, pour me demander ce combat. Ça veut dire que moi, en fait, ce combat-là, à la base, quand on me l'avait proposé, j'étais sur une autre organisation, donc ça ne pouvait pas se faire. Et c'est ce que j'avais répondu aux premières personnes qui m'avaient contacté pour faire ce combat. C'est que moi, j'étais déjà engagé et je ne savais même pas que c'était contre lui ou quoi. Mais c'est après qu'on me l'a dit, parce qu'on me proposait deux adversaires. Et en fait, lui, quand il a appris que moi, je ne pouvais pas, ben, il m'a envoyé un message sur les réseaux. Je pense que c'était un message dirigé où, en gros, il me propose de voir qui est le meilleur des Jaguars. C'était un truc mignon. Donc moi, j'ai accepté. Je lui dis la même chose, c'est que j'étais engagé sur une organisation. C'est pas moi qui... Je pouvais pas décider. Ouais. Donc, ce combat, il est intéressant. Tu veux toujours l'affronter? Moi, bien sûr, je ferme pas la porte. Ouais. Ce combat, il est intéressant, mais j'étais engagé. Donc, c'est pas moi qui décide. Ouais. À partir de là, j'ai appelé le gars avec qui je collaborais pour le management à cette époque-là. Et je lui ai dit de voir s'il y avait une solution ou qu'est-ce qui se passait pour moi, parce que je devais avoir des dates avec Hexagone, pour les citer. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce que... Donc, comme ils n'ont pas pu... mettre les dates qui étaient prévues, je lui dis, ben, essaye de me placer pour ce combat-là. Okay, donc là, on est rentré dans une démarche, tout ça. Ouais. Et normalement, ça devait se faire. Et à 4 semaines de ma prépa, j'apprends qu'il affronte Barrao, apparemment. Ouais. Donc voilà. Alors, autre combat. Donc ça devait se faire quand même. Arès avait pris le pari d'organiser ce combat. Et puis finalement, tu apprends qu'il l'a signé à l'UFC. Alors, question d'un internaute qui nous demande, donc c'est la page Le Parcours sur Twitter, qui nous demande si tu l'as appris comme tout le monde sur les réseaux ou est-ce que tu étais au courant qu'il avait signé à l'UFC? Je l'ai appris peu de temps avant. Je l'ai appris comme tout le monde, on va dire, parce que... Sur les réseaux aussi ? Oui, je l'ai appris sur les réseaux parce que j'ai reçu un message de la part des dirigeants d'Arès, genre 30 minutes avant que la bombe soit lâchée, quoi. D'accord. Donc, ouais, je l'ai appris sur les réseaux, on va dire. Alors après, autre scénario possible, tu rentres à l'UFC, tu le rencontres à l'UFC. On a eu exactement le même scénario, justement, à l'UFC Paris, Abou Magomedov et Dustin Stolfus, deux hommes qui se disputaient la tête du classement allemand. Le combat ne s'était jamais fait au niveau local. Finalement, c'est l'UFC qui a mis ça sur place. Est-ce que ça ne te rendrait pas service pour le futur? Parce qu'il y a un peu de storytelling entre vous, finalement. Ce serait un beau cadeau de la part de l'UFC, en sachant les monstres qu'il y a là-bas. Commencer comme ça, ce serait un beau cadeau. Ouais, ça serait génial. Ah, ce serait un beau cadeau. Alors, en attendant l'UFC, je te propose qu'on revienne sur ton combat au RS qui a été épique. Tu es tombé face à David Kroll. Incroyable, incroyable ce combat. On va revoir les images parce que vraiment, moi, j'en suis tout ému encore. The
Jaguar Ma'a! We said it would be one of the weirdest scorecards. Yes. Et un retour en force dans la cage. Comment tu l'as vécu, ce combat, Alioune? Combat, ben, avec tout ce qui s'était passé dernièrement, l'échec que j'avais eu lors de mon dernier combat, tout ça, ça m'a permis de refaire le point sur moi-même. Et en fait, j'étais vraiment déterminé, peu importe l'adversaire, je voulais gagner. Tu connaissais un peu le style de David? Oui. C'est assez... Donc ça t'a pas étonné, cette résistance? Parce que non, nous, on s'est demandé si c'était pas Robocop, en fait. Moi, je l'ai expliqué plein de fois, il prend énormément de coups, ouais. David. Il avance, ouais, il prend beaucoup jamais, de coups. Hein. Par contre, très bon Jujitsuka. Et moi, j'ai une question, justement. Tu te doutes bien sur l'étranglement arrière. Est-ce que tu es conscient que tu risques la disqualification quand l'arbitre Ahmed Korchi te le dit? Ou alors, tu es dans le combat, tu sais pas? Que tu risques, s'il te fait un troisième avertissement, c'est disqualifié? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il m'étrangle, je le vois arriver, donc j'anticipe, je tiens sa main, mais en même temps que je tiens sa main... Oui, voilà, que je précise, parce que tu tenais le gant et ça... Forcément, je tenais sa main, forcément, je tenais aussi un petit peu le gant. Mmh. En fait, c'est quelque chose de logique. Je ne connais pas un combattant qui se laisserait étrangler sans essayer de faire quoi que ce soit. Alors là, oui, mais une fois... Oui. On peut le faire. Oui, mais en fait... Deux fois, tu reprends le deuxième, et là, si tu prends le troisième, oui, tu te rends compte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'arrivé un moment, je ne lui tiens plus après le gant. Ça veut dire que lui, il joue sur le fait de dire à l'arbitre, il tient le gant. L'arbitre me met la pression, et moi, je suis dans une posture où je ne peux pas parler. Je suis en train de leur dire, ouais, ok, mais je crache mon protège-dent. Je réponds dans deux secondes. Je crache mon protège-dent et je fais de la survie. Ça veut dire que je ne rentre pas dans un débat parce que... C'était pas verrouillé, mais dans cette position-là, ça peut aller très vite. Donc, c'est le métier. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour moi. Au foot, ils prennent des cartons jaunes, ils gagnent, c'est une victoire. J'ai pas le mot tricher, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit le mot tricher. Non, pour moi, c'est un peu gros dans le sens où il y a quand même des juges, il y a quand même un arbitre. Oui, puis tu prends les avertissements, donc c'est pas de la triche. J'ai pris mes points de pénalité. Voilà. Que celui qui n'a jamais pêché de jeter la première pierre. En réalité, est-ce qu'on n'était pas le seul à choper un gant, hein, sans... On a tous chopé un grillage un jour. Bien sûr, après, comment dire, c'est pas un exemple que je donne dans le sens où. Un combat, il faut qu'il soit le plus propre possible. Oui, ça, j'en suis encore une fois, c'est pas un coup interdit, c'est un coup où tu vas risquer de prendre un point de pénalité. J'ai préféré prendre, j'ai fait de la survie. C'est du métier. Voilà. T'as 31 ans, tu deviens vieux. On me l'a déjà fait, du coup je le refais, ça... voilà. Chacun son tour. Alors je crois que tu as reçu le prix de la performance de la soirée, c'est ça, le combat de la soirée? Combat de la soirée, ouais. Donc là ça veut dire que vous avez gagné chacun plus 10 000, c'est bien ça? Apparemment, ouais. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire d'un 10 000 Alors, euros quand on... Hors quand caméra, il nous l'a dit, il va partager avec nous. Merci à lui. Allô, mon téléphone. C'est ça. Bah déjà, il y a la famille à gérer, parce que bon, dès que j'ai gagné, ma mère, elle m'a dit, bon, j'ai fait des prières, elle est où ma part? Donc, je vais déjà négocier avec la famille, après on verra. Alors, on a des questions des internautes. Le Colisée qui demande si tu étais encore en exclusivité avec Ares ou est-ce que c'était juste un one-shot? C'était un one-shot, mais je suis en pourparler avec eux. Pour la suite? Exactement. Et une autre question aussi de French MMA qui dit, si tout de suite on te propose d'entrer soit au Bellator, soit au Dana White Series Contender, soit de faire la ceinture Ares, quel serait ton choix? Ah ben là, les trois sont très intéressants. Après, je dirais celui qui paye le mieux. Mais en vrai, s'il y en a un qui... En vrai, ben... Plus, sans parler de paye. Où il y aurait une meilleure logique pour ma carrière, bien sûr. D'accord. Donc peut-être les Dana White Series Contender? S'il y a une bonne logique, bien sûr. Ouais. Alors, au lendemain d'Arès, on a vécu le moment le plus important du MMA français. C'était l'UFC Paris. Sébastien, s'il y avait encore un doute quant à l'hégémonie de l'UFC, je crois qu'il n'y a plus de doute. Ah là, au moins, c'est clair et net. C'est mon coup de cœur. C'est l'ambiance incroyable qu'il y a eu à l'aréna, la cohésion du public. La Marseillaise chantée par 15 000 spectateurs. Quand on pense que la Marseillaise, elle est sifflée dans les stades de foot, que dans certains événements, quand on demande de se lever au public, quand les Marseillaises sont entonnées et qu'il y en a la moitié qui reste assis, là, j'ai vu un truc incroyable que je n'avais jamais vu, en fait. C'est une Marseillaise remplie par 15 000 spectateurs. Ça nous a donné des frissons. Donc, à l'heure où le MMA est décrié, critiqué, c'est un sport encore un peu sauvage, il y a une cage, je pense que là, le public a démontré par son attitude fair-play, sportive et cet engouement pour les combattants français, qu'il y a des valeurs derrière le MMA, des valeurs martiales. Et c'est moi, ça c'est mon vrai coup de cœur.
Et entendre le public reprendre le It's Time de Bruce Buffer, pour un speaker comme moi, c'est alors là, grandiose, grandiose. Et c'est vrai que l'UFC a fait les choses bien, hein, vraiment, et notamment avec cette UFC Fan Experience. Toute la semaine, il y a eu des animations. Lucien Jahan est parti à leur rencontre pour recueillir un petit peu leurs impressions. Ah, c'est impressionnant, franchement, moi je pensais pas, même il y a un an, j'y pensais pas. Donc voilà, on en profite. Là, j'ai pris le train exceptionnellement pour ça. De Montpellier, voilà. Exactement, je repars à 5h30 du matin. Et c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'en profite pour être là. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura deux événements comme ça. Journée exceptionnelle. Et c'est une journée historique un peu pour le sport. Je viens de Bretagne. J'ai fait le déplacement exprès, ouais, juste pour le MMA, ici à Bercy. Ça date de 2 ans à peu près. J'avais vu un match comme ça à la télé, puis j'ai trouvé ça passionnant. Et depuis, j'étais déjà venu ici au Bellator, la dernière fois. Je l'ai tellement rêvé que le fait que ce soit là, eh bien, j'ai du mal à y croire en fait. Et je pense que je vais réaliser la semaine prochaine. Lundi, je vais me réveiller, je fais « Ah oui, non, c'est vraiment arrivé. » Voilà, non, non, c'est j'en ai vécu tellement ailleurs que j'ai du mal à croire qu'on est à Paris aujourd'hui. Et je me rappelle les premières années où j'arrivais avec mes dossiers au ministère. On me prenait pour un fou furieux, mais jamais de la vie, on me disait. Et là, aujourd'hui, c'est comme... c'est publicité, quoi. Et enfin, c'est dingue, c'est juste hallucinant. L'UFC est rentré vraiment dans le gotha des sports français. Et des sports mainstream, on va dire. Il y a toute la presse est ici, française, étrangère. C'est hallucinant. Vraiment, je suis très, très surpris, très heureusement surpris. Bertrand Amoussou qui a longuement œuvré pour la démocratisation du MMA. Alors, les coups de cœur, OK. Les coups de gueule, il y en a ou pas? Oui, il y en a deux. Deux? Ouais, il y en a deux. Le premier, c'est l'absence du patron, l'absence de Dana White. Ouais. Alors oui, son fils faisait ses débuts en foot US universitaire, mais c'est le boss, c'est le patron. Baseball hein? C'est en baseball, non? Ou en baseball, j'ai dit ouais. Foot US, bon, ouais. Ouais, voilà. mais c'est le patron, il se doit d'être là. Moi, quand mon fils a fait son premier match de hand, bah, je bossais, j'étais pas là. Après, j'en ai vu des matchs de hand. Mais là, c'était une première à Paris. Voilà, c'est mon coup de gueule, il aurait dû être là. Et mon deuxième coup de gueule, c'est contre moi. Parce que j'ai sous-estimé cette UFC, j'ai dit ici que la carte ne me faisait pas rêver. Alors attention, c'était pas une carte non plus 3 étoiles, faut rester les pieds sur terre. Mais... Après, c'est un fight night, hein. Oui, c'est ça. Pas non oui, plus ça, un oui, numéroté, voilà. Quoi. C'est un fight night. Tu voulais un numéroté, en fait, c'est ça. En fait. C'est ça. Ouais. Mais je reconnais que je me suis trompé et c'était grandiose. Grandiose. Ouais, grandiose. Ça, c'est le mot. On a pris une vague en pleine figure, ouais. Une claque même, une claque. Le combat qui vous a le plus marqué, messieurs, Alioune? Moi, j'ai franchement tous les combats des Français. Ah, c'est vrai. J'ai kiffé. Ils t'ont fait vibrer. Vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, et ton rival, alors, t'en as pensé quoi de son combat? J'ai pas regardé. Non, le gros rageux. Non, il a fait un combat correct. Il a fait un combat correct. Voilà. Sans plus. Et toi, Hassan? Gain, tu vas le main event. Ouais, c'est vrai. C'est le combat. Il y avait tout. Tout était réuni pour que ce combat, ça soit un truc incroyable. Et le résultat fait que ce fut incroyable. Alors, on a aussi Benoît Saint-Denis qui a vécu une prépa. Assez atypique, parce que déjà son camp, il a été ponctué par de gros problèmes, c'est-à-dire qu'il a eu des blessures, des problèmes de santé qui l'ont tenu éloigné du tatami, et puis il a surtout eu son mariage qu'il a dû organiser en pleine Fight Week, tout va bien. Alors Benoît Saint-Denis, on est justement parti l'interviewer après son combat, mais aussi les autres combats de cette soirée, les autres combattants de cette soirée. Ça a été dur, j'ai plus cuté que d'habitude parce que j'ai profité un peu des fameux vins de la région... de Montpellier, ça a été un mariage avec vue sur le Pic Saint-Loup, donc c'était incroyable, ça a été énormément d'émotions. Pour moi, ça reste quand même plus important qu'aujourd'hui, même si je suis ici avec vous. Ma vie, je vais la faire avec ma femme, et créer une famille, ça sera avec ma femme. Donc je suis vraiment heureux d'être devant vous aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'avais encore plus d'émotions, c'était vraiment incroyable. C'était une victoire importante parce que l'événement était important. Après, le nom que j'ai pris, c'était pas c'était pas la chose la plus excitante au monde, mais au vu de l'événement, il n'y avait pas besoin que ce soit plus excitant. Hein. On était déjà au paroxysme de ce qui pouvait se faire. Et avec la préparation que j'ai eue, au final, c'était pas plus mal. Donc maintenant, on va se préparer très dur. Et l'objectif maintenant, c'est un vrai test. Moi, j'aimerais que l'UFC me donne un vrai test, un top 15, un top 20. J'ai quelques petites blessures à soigner. Peut-être qu'il faudra passer par une opération. Mais dès que c'est réglé, je voudrais quelqu'un, comme j'ai dit, du top 5. Et pourquoi pas Paulo Costa? Paulo Costa, let's go. Les défis comme ça me motive énormément. Ce knockdown ne m'a absolument pas traumatisé.
Il m'a rien fait ce knockdown, il m'a même pas fait mal. Mais il faut pas trop que j'en prenne quand même, parce que je pense à l'après-carrière, c'est pas... c'est quand même un petit trauma, même si ça a été très léger, je pense. Je sais très bien que j'étais face à un mec qui était comme moi. Et on l'a prouvé, on a rigolé, on a blagué, je l'ai poussé amicalement à un moment donné pendant le combat, genre « Arrête tes conneries, je t'ai pas touché au niveau des parties et tout. » Même là, j'en rigole, tu vois, quand j'y repense. Et c'est pas pour autant qu'on s'est pas mis dessus, tu vois, je veux dire, on s'est réellement mis dessus. Alors, vous avez vu la main de Cyril Gane. Il s'est cassé la main, 5 mois out de l'entraînement. Bon, une mauvaise période à passer. Tu vois ça, il a le cuir solide, hein, j'ai l'impression. Comme moi, il me faisait penser à Mark Hunt. Ouais, c'est vrai. Voilà, un c'est peu vrai, même, la même façon de boxer. On avance, on prend des coups et puis... Ils sont petits, hein. Ouais. Ils s'entraînent ensemble, ouais. Apparemment. Alors, est-ce que vous avez vu aussi la polémique qu'a lancé Junior Dos Santos sur Twitter? C'est-à-dire que dans un tweet, il dit « Encore un dirty fight, Cyril Gane, il frappe encore derrière la tête. Qu'est-ce que les experts du combat vont dire de ça cette fois ?» Alors, bah, je vous pose des questions, vous êtes les experts du combat. C'est comme on le disait la semaine dernière, c'est un peu de trash talk, ça fait monter la sauce. Dos Santos, ça n'a pas été le dernier non plus à mettre des coups derrière la tête. Ça arrive. Voilà. Dans le feu de l'action surtout, je pense. Pardon ? Dans le feu de l'action. Oui, en plus, voilà, on voit qu'il ne veut pas taper sur le bulbe rachidien. Donc non, c'est... moi, je pense que ça fait monter la sauce, c'est bien. Gane, il va répondre. Et puis si un jour le combat se fait, bah, je pense que Dos Santos, il va dormir. Moi, je ne pense pas que ce soit volontaire. Ouais, c'est ça. C'est dans le feu de l'action. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y avait une certaine ambiance sur son combat, donc on peut comprendre qu'il a été transcendé par cette foule. Alors, on a aussi été agréablement surpris par Faresiam, qui a prouvé qu'il était un combattant polyvalent. On vous avait raconté son histoire incroyable la semaine dernière. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Eh bien, figurez-vous qu'on me dit à l'oreillette qu'il est avec nous en visio. Fares, est-ce que tu me reçois? Yes, je te reçois. Ah, le champion, comment tu vas? Tu es où, là, tout de suite? Ça va très bien, et toi? Bah, tout de suite, là, je suis en vacances à Istanbul. À Istanbul? Qu'est-ce que tu vas faire de beau? C'est quoi ton programme? C'est manger. Mange pas trop, Fares. Un repos bien mérité pour toi. Alors, comment tu te sens au lendemain de ton combat? Au lendemain de mon combat, je suis satisfait de mon combat. J'ai regardé mon combat. Mais voilà, après, il y a encore des détails que j'ai envie de corriger avec mon équipe. Ah ouais, comme quoi, par exemple? Essayer de moins reculer. Bon, après, l'objectif en boxe, c'est de ne pas se faire toucher. Donc, je ne me suis pas trop fait toucher non plus. Ouais, t'as hyper bien. Mais voilà, essayer d'être... Ouais. T'as boxé super intelligemment, Fares. Hein. J'ai trouvé ton combat, ta gestion de combat hyper intelligente. Sois pas trop dur avec toi-même, parce que vraiment, nous, tu nous as bluffé, vraiment. Bah, merci beaucoup. Mais bon, j'aurais aimé le finish. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Mais pour le prochain fight. Alors, avant de parler de ce combat, je voudrais qu'on revienne sur la Fight Week. Comment tu as vécu la Fight Week? Quelle ambiance il y avait même entre vous, les combattants français? Alors, cette Fight Week avec les combattants français, c'était excellent. Bah, on se voyait souvent, on rigolait ensemble. Tout le monde était... on sentait qu'on était comme une équipe, en fait. Vraiment comme si on faisait tous partie de la même équipe. Et après, la Fight Week, elle était un peu pesante parce qu'il y avait beaucoup de caméras, beaucoup d'interviews. Beaucoup de fans aussi qui étaient présents. Donc, un peu de pression pendant la Fight Week, mais après, ça s'est bien passé en général. C'était trop pour toi? Ça a trop de pression, trop d'intérêt de la part des caméras, du public? T'étais trop sollicité? Comment tu l'as géré, ça? Ouais, c'était la première fois que j'étais autant sollicité, je pense. Et en fait, j'aime bien, moi, être pendant la Fight Week, être tranquille, être dans ma bulle. Mais après, voilà, on est combattant, il faut l'accepter. Ça fait partie du job. Alors, on va revenir maintenant sur le combat. On a vu le regard de ton adversaire, il était extrêmement intense, on aurait dit un regard de tueur. Et finalement, au fil des rounds, on le voit complètement décroître et à la fin, il a un regard d'enfant. Raconte-nous comment toi, tu as vécu de l'intérieur ce combat. De l'intérieur, moi, je savais qu'il était solide, mon adversaire. En plus, il était invaincu. Voilà, il faisait son début à l'UFC, donc il allait tout donner, je le savais. Et en fait, dès la première emmenée au sol, j'ai senti qu'il y avait une faiblesse en lutte, et même au sol, en fait. Et du coup, bah, durant le combat, je l'ai utilisé. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette UFC Paris? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le public. Franchement, le public qui... C'est vrai, hein. Ça qui déjà, dès le début, était là. En carte préliminaire, ils étaient présents. Et ils nous ont vraiment motivés tous. Même si des fois, il n'y avait pas trop d'action ou on faisait juste une bonne action, bah, ils étaient là à crier, ils étaient là à nous soutenir. Et vraiment, ça, je leur remercie. Et comment tu t'es senti justement quand tu arrives dans ce Bercy plein à craquer? Enfin, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, en fait?
Bah franchement, je me dis que waouh, c'est incroyable. Les gens, ils sont là, ils nous soutiennent. En plus, ils crient Fares, Fares. Donc, je me sens rempli d'énergie et fier d'être là. Tu nous as bien fait rire aussi hein, à l'issue de ton combat quand le speaker te demande ce que tu souhaites maintenant et tu lui réponds un Pepsi bien frais, chacal. C'était quoi ? C'était un pari avec tes potes ou rien à voir ? Non, tu t'es lâché. J'étais tellement épuisé que je crois que c'est mon cœur il a parlé. Et tu as réussi à tenir le secret, alors tu n'avais prévenu personne. Il y en a qui ont découvert le soir en allumant la télé que tu combattais, parce que tu ne voulais pas l'annoncer ? Ou ça c'est... Ouais, je voulais. Non, ça s'est ébruité. Et puis moi, je l'ai partagé dans les réseaux. Tout le monde le savait après que j'allais combattre. C'est surtout. Moi, c'était surtout au niveau du contrat et à l'avance. Je ne voulais pas trop le dire à l'avance, quoi. Est-ce que tu as eu des retours juste après ton combat de l'UFC ? Est-ce que voilà, on t'a laissé entendre certaines choses pour le futur ou pour l'instant, c'est silence radio ? Bah écoute, moi, mon manager, il m'a dit que j'avais fait un beau combat, que j'avais prouvé que j'avais ma place et que j'avais progressé. Et du coup, il m'a dit directement quand est-ce que tu veux combattre ? Et moi, je lui ai dit j'aimerais bien avant décembre ou en décembre. Ah ouais, tu veux enchaîner tout de suite ? Ouais. Ah, t'es chaud. Bien, ça, il est chaud, il est chaud. Ouais, non, franchement, bravo, Fares. C'est super. Et tu aimerais quel type de combat pour ton sixième combat ? Il y a un profil d'adversaire ou t'aimerais un top 15 ? Je sais pas. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais pour ton sixième combat ? Non, j'aimerais pas de top 15. J'irais pas de top 15 tout de suite parce que. En fait, ouais, voilà, maintenant je veux prendre mon temps. J'ai 25 ans, je suis encore jeune. Il faut que je progresse encore dans certains domaines et que je prenne en expérience. C'est pour ça que je veux enchaîner les combats pour grimper rapidement, mais sûrement. Alors justement, tout à l'heure, je t'ai un peu coupé la parole. Je suis désolé. Tu me disais que tu voulais progresser sur quel aspect, du coup, pour les prochaines semaines ? On va reprendre l'anglaise avec mon coach qui était présent dans mon coin, Faisal Omrani. On va reprendre bien l'anglaise pour développer les enchaînements en boxe anglaise. Et voilà, essayer d'être intelligent comme je l'ai fait, c'est-à-dire pas trop prendre de coups, mais plus en donner, être un peu plus dans le débit. D'accord. Et alors, par contre, tu me disais lors de l'interview, quand on avait tourné le sujet ensemble, que tu souhaitais repartir aux États-Unis. C'est toujours d'actualité ou pas, ça ? Oui, c'est toujours d'actualité. Hein, si j'ai mon combat en décembre, l'objectif, ça serait partir mi-octobre, fin octobre. D'accord. Super, Fares. Franchement, on est fiers, on est vraiment fiers de toi. On tient à te le dire. Tu as fait un superbe combat et encore merci pour ta disponibilité. On va pas te retenir plus longtemps. Profite de tes vacances. Franchement, continue de sourire, surtout, Fares. Ouais, ce sourire de gamin que tu as et ton humilité. C'est agréable de travailler avec toi, Fares. Plaisir. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous. Vous êtes au top. Et un UFC par an, c'est ce qui est prévu a priori par Dana White. Mais le prochain, on se demande bien encore où ce sera. Justement, on a posé la question aux principaux intéressés. Is France going to be a yearly trip, or is that going to be kind of like a maybe every 2 years? Yeah, we got to figure out what's next. But you know how we like to do it. We like to move it around. So, you know, we'll probably do a different city, maybe a fight night or something in a different city, and then head out there with a big pay-per-view in Paris again. Je sais que dans le sud de la France, il y a énormément de combattants. Là, Paris se trouve un peu dans le nord. Pourquoi pas aller dans le sud, dans une grosse ville dans le sud ? Pourquoi pas Marseille ? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ou bien, elle vient de Nice. Voilà, donc pour Manon Fureau, pourquoi pas à Nice ? On n'en saura donc pas plus pour aujourd'hui. En tout cas, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aurait un autre UFC dans une autre ville, ça on en est sûr, et il y aurait aussi un UFC numéroté pour le plus grand bonheur de Sébastien Loeb. Ah oui, avec une carte aux étoiles. Avant de conclure cette émission, on va jeter un œil au calendrier. Regardez, il est chargé. Décidément, le MMA français est actif pour ce début de légalisation. Hein. Franchement, ça tient toutes ses promesses. Donc, le 16 septembre, une grosse escouade française combattra au UAE Warrior Africa. Kevin Oumar, Aymar Guy, Nora Cornol, Paul-Emmanuel Niaz, Yazid Chouchan seront de la partie. Le 23 septembre, une étoile montante du MMA français combattra au Bellator Dublin, Azael Hadjoudj, à suivre de très très près. Le 7 octobre, retour très attendu de Morgan Charrière et de Awasso au Cage Warrior. Et le 8 octobre, le MMA GP revient sur l'antenne de Sport en France avec le retour d'une star du K1. Chut, on n'en dit pas plus, la surprise arrive bientôt. Alioune, c'était vraiment génial de t'avoir avec nous. Merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite ? De continuer comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais faire là ? Moi, c'est comme je dis, chaque combat, c'est un championnat du monde. Donc,
je reprends la semaine prochaine les entraînements et on se prépare pour un prochain championnat du monde. Eh ben écoute, on va te suivre en tout cas avec un grand intérêt. Merci Seb, beaucoup. Encore merci pour ton sourire habituel. Eh ben merci à toi, Lucie. Et merci puis quant à nous, eh bien on va se retrouver la semaine prochaine pour toujours plus d'actu du MMA français. Bye bye, bonne soirée.